Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Francky. Je vous propose cette petite vidéo super rapide en mode en voiture. Vous le savez maintenant, ça fait quelques temps que je vous propose ce type de contenu là. L'objectif de ce contenu, c'est juste de réagir de manière assez rapide à de l'actualité ou toute autre chose et de faire en sorte de vous communiquer ou de réagir justement à ces actualités là et de faire en sorte de sortir un truc très très rapidement plutôt que d'oublier de faire une vidéo extrêmement chiadée, etc. Là, on a l'occasion de discuter ensemble. Et vous, évidemment, comme d'habitude, vous me faites vos commentaires et j'y réponds. De toute façon, tous les commentaires qui sont postés sur la chaîne, j'y réponds systématiquement. Enfin, en tout cas, je les lis tous, ça c'est une certitude. Y répondre systématiquement, je ne vous cache pas que par moment c'est assez compliqué. Mais d'une manière générale, j'essaie de lire tout. En tout cas, je lis tout et j'essaie de répondre à un maximum de choses quand ça s'avère pertinent ou quand c'est une question bien particulière. Là, aujourd'hui, je voudrais parler et rebondir sur le short que je vous ai fait la semaine dernière, pas la semaine dernière, hier, pas plus tard qu'hier, dans lequel on parlait justement de la mise à jour 1.29 qui va être amenée le mardi 21, que vous découvrez d'ailleurs en live sur la chaîne, on pourra le faire en live ensemble, et qui va nous amener la mise à jour, cette mise à jour du PSVR 2 sur Gran Turismo 7 et sur la PlayStation 5. Alors, je rebondis parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur la chaîne compte tenu, disant oui, c'est une mise à jour qui sert à rien, etc., etc. Et je suis extrêmement compréhensif puisque je comprends les remarques des utilisateurs de PlayStation 4 qui eux disent ben, super, on va nous sortir une mise à jour pour la PlayStation 5 et nous, PlayStation 4, on va s'asseoir sur la mise à jour et on n'aura rien eu pendant 2 mois et donc il faudra attendre encore un mois supplémentaire potentiellement pour avoir quelque chose. Et encore une fois, ce que je vous dis là, je n'ai absolument aucune source, aucune information, c'est mon ressenti, mon point de vue. Peut-être que je divague et que je dis n'importe quoi et peut-être qu'à l'arrivée il se passera quelque chose. Encore une fois, toujours est-il que je n'ai aucune info mais que j'ai quand même voilà, je réfléchis un peu, je me dis qu'il peut se passer autre chose que juste une mise à jour PlayStation 5. Et cela, ça va se passer en 3 points. Le premier de ces points, c'est que cette mise à jour là, elle a été annoncée par le site Gran Turismo. C'est Gran Turismo qui a annoncé cette mise à jour et pas Kazunori. Et comme vous le savez, 90% des notifications ou des modifications ou des informations concernant les mises à jour sont tweetées par Kazunori. Et Kazunori, pour le moment, c'est le silence absolu. Alors, est-ce que Kazunori est malade? Peut-être. Est-ce que Kazunori ne peut pas communiquer pour l'heure parce qu'il est occupé à autre chose? Peut-être. Mais en général, il communique assez rapidement, il retweete beaucoup d'informations. Et si la communication vient exclusivement de Gran Turismo, c'est quand même étonnant que Kazunori n'ait pas mis un petit tweet en disant « Bon, ben, la mise à jour sort ». Il aurait très bien pu le faire en même temps. Or, il n'y a rien. Donc, je pense que Kazunori va se délecter de nous sortir un petit tweet très certainement ce week-end qui va dire « Ok, la mise à jour arrive ». Mais est-ce qu'il va dire qu'elle arrive uniquement ou est-ce qu'il va juste dire il y a quelque chose? Et moi, je pense que s'il va communiquer, il va sortir une information complémentaire. Je vois mal Kazunori arriver avec une semaine de retard disant « Bon, ben, la mise à jour arrive mardi », alors que tout le monde le sait depuis très très longtemps puisque PlayStation, l'a communiqué. Donc pour moi, Kazunori va dégainer et quand il va dégainer autre chose. Il va dégainer peut-être sa petite miniature dans laquelle il y a toutes les voitures, etc. Mais en tout cas, il va dégainer autre chose. Autre point qui est extrêmement important, Kazunori connaît son jeu. Hein, c'est pas le pimpin moyen. Il connaît les bugs qu'il y a sur son jeu. Et aujourd'hui, 90% des gens qui jouent sur Gran Turismo et qui jouent en lobby privé connaissent les problématiques des bugs qu'il y a aujourd'hui. Dites-vous bien que jouer à Gran Turismo à l'heure actuelle avec les bugs qui sont ceux qu'il y a sur Gran Turismo, à savoir les lags, les voitures qui font comme ça dans tous les sens, etc., en mode lobby et en VR, ce serait une expérience complètement désastreuse et dégueulasse. Et Kazunori n'est pas le dernier. Enfin, il connaît bien son jeu. Hein. Il connaît les bugs qu'il y a, il connaît les défauts qu'il y a. Il sait que beaucoup d'utilisateurs se servent de son jeu pour les lobbies privés. Il suffit de voir la quantité de lobbies qui sont créés. Donc voilà, je pense que Kazunori sait les problèmes qu'il y a sur ces jeux. Et sachant que l'argument a été de dire le jeu sera entièrement jouable et ils ont bien précisé également en lobby. Également en lobby, donc jouer en lobby en VR avec les défauts inhérents du jeu, ce serait une expérience absolument désastreuse. Donc moi franchement, je dis pas que le jeu va être corrigé, je ne dis pas que tout va être fait pour faire en sorte que ça fonctionne, mais je serais étonné que le jeu sorte avec l'extension VR sous cette forme-là. Ou en tout cas, ils sont passés à côté du truc, ils ont complètement loupé et ce serait une erreur pour moi
pas dramatique, mais quelque chose d'effectivement difficilement entendable. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, les amis, c'est le plus important, et c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est que moi, j'insiste sur le fait que tôt ou tard, il y aura une scission entre Gran Turismo 7, version PlayStation 4 et version PlayStation 5. Et s'il n'y a pas de mise à jour, eh ben c'est, ça veut dire que la scission est là. On pourra tourner la chose comme on veut, mais la scission sera là. Nous aurons un jeu version PlayStation 4 qui aura une mise à jour 1.27, et nous aurons un jeu PlayStation 5 qui aura une version 1.29. Donc ça veut dire que officiellement le jeu sera définitivement pas scindé en deux. On est bien d'accord que le jeu sera toujours jouable des deux côtés. Mais si la mise à jour ne suit pas et qu'il n'y a rien qui arrive sur Gran Turismo 7 version PlayStation 4, ça veut dire que les deux jeux auront deux mises à jour différentes, et ce sera la première fois depuis que le jeu est sorti que le jeu dispose de deux mises à jour différentes. Alors peut-être qu'à terme, si tel est le cas, on aura une mise à jour 1.30 qui fera en sorte que tout revienne au même niveau, mais je serais quand même très très étonné si jamais que le jeu dispose pendant un laps de temps fût-ce très très court d'une mise à jour différentes sur les deux plateformes. Encore une fois, ça ne voudra rien dire, hein. Je vous le dis encore une fois, hein. Ce que je dis là, c'est juste un état de fait, c'est-à-dire qu'à l'instant T, on sera comme ça, mais c'est quand même, ce serait quand même assez étonnant qu'on se retrouve avec un jeu qui soit scindé en deux à l'instant T, parce que moi, je pense que pour le bien de la console, pour le bien du jeu, il faut que le jeu soit scindé en deux. Et avec tout le respect que j'ai pour tous les utilisateurs de PlayStation 4, j'en ai une aussi. D'accord, donc ne me jetez pas sur ma tête à pieds joints, je vous dis juste ce que j'en pense. Mais si jamais on veut que le jeu ne soit pas coupé en deux et qu'il continue de vivoter, il va forcément falloir qu'il y ait une mise à jour 1.29 qui apporte du contenu outre le VR, mais un petit contenu pour continuer à faire en sorte que les deux versions PlayStation 4 et PlayStation 5 bénéficient d'une mise à jour 1.29. Alors, avec des petits détails supplémentaires sur la mise à jour de la PlayStation 5 avec le VR, je suis d'accord. Mais il faut absolument qu'il y ait quelque chose supplémentaire pour faire en sorte que le jeu suive. Et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la scission, s'il en est, aura déjà commencé. Encore une fois, rien ne dit qu'à l'arrivée, ça va pas, les deux jeux ne vont pas se rejoindre avec une mise à jour 1.30. Pour le moment, comme je le dis encore une fois, et comme je vous l'ai précisé en introduction de vidéo, personne ne sait ce qui va se passer sur le jeu, à part Kazunori lui-même. Personne ne sait s'il va y avoir un complément supplémentaire. On nous a juste dit que la mise à jour 1.29 va arriver. Et qui sait, peut-être que le jeudi, on va avoir une mise à jour 1.30. Bon, j'y crois pas en vrai. Mais peut-être que la mise à jour du mardi sera juste une mise à jour pour le VR, pour que le jeu soit disponible en VR. Et peut-être qu'on aura une mise à jour en toute fin de mois pour rendre capable le jeu d'une mise à jour avec du contenu additionnel, etc. Voilà, ça c'est toujours pareil. Ce sont des supputations que je fais qui ne sont issues d'absolument rien du tout, mais ça fait partie des choses qui sont complètement pas inenvisageables. D'ailleurs, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, je peux l'entendre, et peut-être que je dis une grosse bêtise et qu'à l'arrivée, ce ne sera pas du tout le cas. Voilà. Vous êtes au courant. Pour moi, trois points. Communication de Kazunori inexistante sur ce sujet-là. Et pour moi, c'est vraiment le premier point qui fait que le jeu, pour moi, il va y avoir autre chose. Deuxième point, Kazunori connaît pertinemment son jeu. Là, vous voyez, je suis en train de faire mon créneau, je suis en train de me garer en même temps. Kazunori connaît parfaitement son jeu. Donc, il sait que les bugs sont existants. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très, très déplaisant. Et une mise à jour 1.29 VR avec tous les bugs existants serait, selon moi, un véritable supplice pour les utilisateurs de VR. J'ai pas peur de le dire. Et troisième point, évidemment, c'est la scission annoncée si jamais la mise à jour sort exclusivement sur PlayStation 5. Tous ces arguments mis bout à bout me laissent penser qu'effectivement, nous aurons droit potentiellement à une mesure un peu plus conséquente que juste du VR. Voilà. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Je vous invite à me dire, vous, dans les commentaires. Je suis garé, c'est pour ça que je peux lever le volant, les mains du volant, et vous dire au revoir. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous partagez mon point de vue, si vous êtes d'accord ou pas. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. On se donne rendez-vous demain sur la chaîne pour la vidéo qui vous annoncera le contenu du live de ce vendredi. Allez, bonne journée à tous, à très bientôt. Salut !